Non, ce n'est pas de l'espagnol, c'était du japonais. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais apprendre le japonais. Pourquoi? Parce que j'aime bien me lancer des défis éclatés. Et à la fin de la vidéo, je ferai mon intro en japonais. Et pour ceux qui se demandent, ce que je viens de dire, c'est juste YouTube monde, c'est beau de l'eau. On va juste pas tout apprendre parce que ce serait impossible en une vidéo, mais on va essayer d'apprendre les mots de base. Cette vidéo est tournée avec ma nouvelle caméra. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la qualité. Vous vous doutez bien que pour apprendre le japonais, il faut vraiment être très concentré. Donc c'est pour ça que je vais vraiment être très concentré cette fois. Bon, pour l'une de mes vidéos, je suis vraiment concentré, quoi. Je vais vraiment être très concentré. Genre, vraiment. On va faire un petit jeu pour que la vidéo soit un petit peu plus dynamique. Je vais vous afficher trois mots à l'écran et vous allez devoir deviner de quel mot il s'agit. Ouais, c'est ultra compliqué. Vous avez le droit de mettre la vidéo en pause et d'aller rechercher sur Google Traduction, hein, c'est comme vous voulez. Donc, voici le premier, deuxième, troisième. Vous trouvez ce que les mots veulent dire. Alors, le premier, c'était bonjour. Ohayo. Deuxième, c'était moi. Jibun. Et le troisième, c'était toi. Anata. Moi, je continue mes trucs et souhaitez-moi bonne chance. Abonne-toi. Traduction. Ça fait beaucoup là, non? Moto konnichiwa, sanbai, konnichiwa.